comme par exemple, justement, la mince Claudia Prezekan au sol. Alors regardez bien, elle n'a pas la beauté de Comaneci, elle n'a pas le charme de beaucoup d'autres, mais elle aussi une qualité athlétique de premier ordre. Vous devriez une mise salto avant. Physique très sec, très affûté. Regardez Michel, cette diagonale. Bon, l'arrière capé. C'est surtout la dernière qui est importante. Triple vrille pour terminer l'exercice. Alors voilà la première qui nous fait une triple vrille en fin de sol. Eh bien, ce physique coupé à la serpe, si j'ose dire. Jeune fille qui travaille plus de 6 heures par jour, mais ce n'est qu'à ce prix que l'on devient championne. Oui, une volonté qui se lit dans son regard à l'approche de sa première acrobatie au sol. Et regardez l'élévation dans l'espace avec cette... On revoit la double vrille ennemie percutée salto avant ici au milieu de son exercice. Voilà cette jeune fille, Prezekan, qui a toujours été une bonne équipière en 94 et 95. Absente malheureusement en 96 pour raison de blessure. Elle revient dans cette équipe de Roumanie qui, ici à Lausanne, s'est présentée au sommet. Et là, la finale, la triple vrille. Ça, c'est fort. Très, très fort.